décembre messianique de Beth Ariel. Cette année, on a eu les funérailles de la mère de Rémi. C'était vraiment un moment béni, pas seulement parce que la personne qui est partie est partie avec le Seigneur, mais au cours de ces funérailles, il y a quelqu'un qui est venu à une connaissance salvatrice de notre Seigneur. Et son nom, c'est Huguette. C'est une des sœurs de Claire. Maintenant, j'aimerais vous dire que récemment, il y a tellement de discussions à propos de la montée de l'antisémitisme il y a eu une étude de fait à la BBC. Ils disent que 99% des juifs européens sentent une augmentation de l'antisémitisme. Et donc, il y en a beaucoup qui veulent aller en Israël. Il y en a 40% qui veulent immigrer en Israël. Et ces statistiques et d'autres signes nous montrent que c'est des signes de la fin des temps et que notre Seigneur va venir bientôt. Et ça nous amène à augmenter nos efforts pour partager la parole. Parce qu'il va venir certainement bientôt. Aussi, la semaine dernière, j'ai vu une vidéo où il y a un général de l'armée américaine, Chuck Wald, qui a un traité entre les États-Unis et Israël. Et ils ont apparemment beaucoup d'accords, mais ils n'ont pas de traité. Et ce général, il dit que ce traité va vraiment protéger les intérêts américains en Israël contre ceux qui veulent attaquer Israël. Parce que les Américains ont promis de donner 38 milliards de dollars sur 10 ans à Israël. Et ça ne dit pas que c'est un vraiment traité de paix, que ça fait référence à celui dont parle Daniel dans son chapitre 9, d'ailleurs, qui est un traité de paix qui va commencer la fameuse période de la revenue du Messie. Mais cette discussion d'un traité avec Israël et puis associé à la montée de l'antisémitisme nous montre que ce sont des signes de la fin des temps. Et en ce qui nous concerne, nous, les croyants, ça nous dit que vraiment l'enlèvement est encore plus proche, ne serait-ce qu'hier. Maintenant, c'est la période de Noël, la saison où il faudrait partager. Partager quoi ? Partager l'évangile. Et avec les gens, pour leur dire de qui on célèbre l'anniversaire à Noël. Il faut leur dire, il faut leur parler de Yeshua. C'est la saison de leur offrir le meilleur cadeau qui existe, qui est la connaissance des connaissances de la parole et la connaissance du Messie. C'est plus facile de parler de l'Évangile parce que les gens sont ouverts dans cette saison-là. Donc il faut vraiment profiter de cette période de Noël et de cette ouverture pour vraiment parler de la parole. Et vous savez ce qu'ils font les Juifs à Noël ? Eh bien, ils ne sentent pas très bien. Parce que tout le monde s'amuse, sauf eux. Donc, vous savez ce qu'ils font, parce que tout est fermé. Ils vont généralement dans les restaurants chinois, parce que c'est les seuls restaurants qui sont ouverts. Tous les autres sont fermés. Donc, on va ouvrir les Écritures au 1 Samuel chapitre 15. Et le titre de cette étude, c'est « Le roi insubordonné ». C'est très intéressant comme chapitre, parce que d'un certain côté, c'est un chapitre très édifiant, mais d'un autre côté, c'est assez difficile à comprendre. Comment vous lisez, par exemple, le verset 3 du chapitre 15 de 1 Samuel, lorsque Dieu dit à Saul, « Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, les bœufs, les brebis, les chameaux et les ânes. » Pourquoi il leur donne un commandement aussi dur ? Et pourquoi en particulier les enfants et les nourrissons ? On sait pourtant que la mort de n'importe qui, et en particulier des enfants, fait mal au cœur de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière cet ordre-là ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait dû savoir concernant les Amalékites ? Parce que il n'y a pas une seule nation sur la terre du Canaan qui a été condamnée avec un jugement aussi dur. On pourrait penser qu'il y a quelque chose à voir avec le péché, la punition. On va voir ça à un moment donné. Mais rappelons-nous que Dieu est pur et saint et qu'il n'y a pas d'obscurité en lui. Un autre passage un peu difficile à gérer dans ce chapitre, d'ailleurs un passage vraiment frustrant, c'est qu'on voit un homme, on voit à quel point il peut devenir têtu
Et pourtant, il y a tellement de preuves qui se trouvent devant lui pour qu'il arrête d'être aussi têtu. On va voir que tout simplement, Saul ne comprend pas. Il est tellement convaincu qu'il est sur le bon chemin avec Dieu. Il est tellement enraciné dans ses propres croyances. Il n'écoute personne, même pas Samuel. Et pire que ça, il prétend avoir une communication particulière avec Dieu. Et on voit ce phénomène aujourd'hui d'ailleurs. On pourrait l'appeler le syndrome de Saul. Quand quelqu'un imagine qu'il a lui-même trouvé la clé du royaume et qu'il a un privilège par rapport aux autres. Et quand il a été confronté par Samuel, Saul a refusé d'accepter les arguments de Samuel et il a commencé à sortir une liste d'excuses très logiques, très rationnelles, basées sur des principes solides, parce que c'est un homme intelligent. Mais c'est complètement, il a complètement tort, et puis c'est surtout ça manque de sagesse, c'est pas de Dieu, et à la fin, on voit le rejet final, parce qu'il n'y a plus, Samuel, et il part, et puis Dieu aussi se détourne de Saul. À la fin, Saul aura été oint 3 fois, et rejeté 2 fois. Dieu a eu vraiment un temps difficile avec ces personnages. Mais le moment le plus important, c'est quand Samuel va vraiment énoncer une solide vérité que Jésus lui-même avait d'ailleurs citée 2 fois dans les évangiles. Une vérité qui vraiment couvre toutes les Écritures. Voici ce que ça dit. Ça dit que c'est plus important d'obéir que d'offrir des sacrifices. Et ça, cette phrase extrêmement forte, vraiment, est au cœur de la religion biblique. Et donc, ça nous dit qu'il n'y a pas de place pour l'entêtement ou pour les raccourcis vers les cieux. Il faut d'abord mettre Dieu dans chaque aspect de notre vie. Et ça, c'est la clé à une relation spirituelle saine avec Dieu. Avec Saul, on voit le début d'une longue histoire de désaccords, de mésententes, de conflits entre Dieu et les rois et les prêtres et les faux prophètes qui finalement vont amener au rejet final du Messie qu'on va voir dans les évangiles. Ce qu'on voit ici, c'est les racines de ce rejet, avec le premier roi d'Israël, de Saul, et avec les premiers prophètes en commençant par Samuel et le grand prêtre Ahijah, qui d'ailleurs est présent dans le chapitre 14, verset 18, mais après il est complètement absent. Et il suit Saul comme un serviteur. Et le début de ce schisme entre Dieu et ses hommes se voit dans les actions que pose Saul, et en particulier dans toutes les excuses extrêmement bien construites qu'il va donner, mais qui finalement va le faire se distancer de Dieu. Et on va trouver 3 des 5 excuses qu'il va nous donner. On en trouve déjà 3 au chapitre 13. À travers ces excuses, il utilise la raison, le rationnel, pour contre Dieu finalement. Rappelez-vous le chapitre 13, lorsque Samuel a demandé à Saul d'attendre 7 jours avant d'aller faire la guerre contre les Philistins afin d'obtenir la bénédiction de Dieu. Mais Saul, lui, il a attendu 6 jours et une partie du 7e, il ne pouvait plus tenir en place, alors il a décidé de prendre les choses en main, de prendre une décision lui-même. Et il a sacrifié à Dieu selon sa façon de voir et il est allé faire la guerre. Et juste après, on voit Samuel qui vraiment va parler avec dureté à Saul et il lui pose une question, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et comme d'autres questions dans la Bible, ça c'est une question qui est posée pour l'amener à réaliser que ses actions ne sont pas bonnes et qu'il doit se confesser. Et au contraire, ce qu'il fait Saul, c'est qu'il s'accroche à ses propres raisons, il donne 3 raisons et, au verset 11. Et puis il met le blâme d'abord sur les gens. Il dit, c'est parce que quand j'ai vu le peuple qui se dispersait loin de moi, j'ai décidé de faire la guerre. C'est vrai qu'ils étaient en train de se disperser, mais Dieu, la commande de Dieu, l'ordre de Dieu était important, c'était qu'il fallait attendre 7 jours. Et le peuple, s'il se dispersait, de toute façon, c'est pas si grave, parce que Dieu est en contrôle de tout, ça. Et Saul aurait dû savoir, comme son fils Jonathan, qu'il n'y a rien qui empêche le Seigneur de sauver les gens. Et en même temps, Saul accuse Samuel d'avoir été en retard. Il lui dit, et en plus, tu n'arrivais pas au terme fixé, au verset 11. C'est pas vrai, parce que Samuel était à l'heure. Il avait dit 7 jours. Il avait dit qu'il viendrait à l'intérieur de 7 jours. Mais il semblait que Saul était impatient et avait une autre, peut-être, conception du temps. Ensuite, il va accuser les Philistins. Au verset 11, il dit, et en plus, les Philistins s'étaient rassemblés à Michmash. Ça, c'est vrai. Mais à ce moment-là, peut-être qu'il a oublié que c'était Dieu qui allait combattre avec eux et leur donner la victoire. Comme
comme ça, ça avait été le cas dans d'autres guerres précédentes. Et on avait l'impression que Dieu n'était plus réel dans sa vie. Il n'a jamais dit « je suis désolé ». Il a continué à dire, à donner ses raisons. Et alors, à un moment donné, Samuel, au verset 13, il dit, à Saul, il dit, Samuel, il dit, tu as agi en insensé. Ça, c'est un mot en hébreu, insensé, qui est le mot sakal. Ça veut dire quelqu'un qui. Ça veut dire à la fois sage, mais ça veut dire aussi insensé. C'est comme si vous disiez à quelqu'un après qu'il ait fait quelque chose d'idiot, ah ben dis donc, t'es vraiment sage. Samuel vraiment appelle ce roi un insensé, et la raison pour laquelle il dit ça, c'est parce qu'il n'a pas gardé le commandement de Dieu. Et c'est lorsqu'il dit à ce moment-là, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, et l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais là, il a perdu son statut de roi. Et en raison du fait qu'il ne s'est pas repenti comme il faut, il va perdre son royaume. Regardez comment un homme peut vraiment raisonner en face de Dieu. Ce n'est pas un exemple isolé, vous savez, il y en a eu d'autres dans la Bible. Je ne veux pas sonner trop dur par rapport à Saul, mais Saul est un exemple de qui nous sommes, nous, souvent, vis-à-vis de Dieu. Regardez le chapitre 15. Après que Dieu a demandé à Saul d'éliminer tous les méchants Amalekites, en raison qu'ils étaient extrêmement méchants, et bien le commandement, c'était qu'il fallait que Saul ait tué tout le monde, et compris qu'il ne laisse rien de vivant, même pas le bétail. Et puis il les a appelés Shechem, c'est-à-dire banni. Il ne faut absolument rien prendre de ces Amalekites. Et il était tellement fier de ce qu'il avait fait, Saul. Il avait donc tué tout le monde, mais il avait pris le troupeau et ramené le roi vivant. Et après, il dit, Saul, il dit, bon, j'ai fait le commandement de l'Éternel. Il était persuadé qu'il avait rempli toutes les exigences que Dieu avait données. Et deux fois, il a insisté qu'il avait fait ça. Verset 20 et verset 21. Mais c'est pas, il ne l'avait pas fait. Il n'a pas suivi les ordres de Dieu, et pourtant, il était si fier de lui-même. Il avait même fait ériger un monument pour lui-même. On voit ça dans 1 Samuel 15, 12. Et alors, on voit que Saul commence à faire des excuses, et non seulement ça, à faire des mensonges. On dit qu'une excuse, c'est un peu une cousine du mensonge. Et ici, vous allez voir, il y a toute une famille d'excuses qui sont mélangées de mensonges. D'abord, il a dit qu'il avait pris les animaux vivants des Amalekites afin de les offrir en sacrifice à Dieu. Mais au verset 21, il avait admis que ce n'était pas son idée à lui, mais c'était l'idée d'un soldat. Et il y avait de la pression. Les soldats lui avaient dit, on ne va quand même pas abattre ces animaux. Et il s'est laissé faire. Ensuite, il a dit qu'il avait ramené Agag, le roi, vivant. Mais il ne donne pas de raison pour ça. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire ça? On n'en sait rien. Vous savez, le philosophe Josephus du 1er siècle et certains midrashim ont dit qu'Agag était peut-être tellement un bel homme que Saul n'a pas voulu le frapper. C'est un peu difficile de s'imaginer quelles étaient les pensées d'un homme qui était en train de se faire sa propre théologie dans son esprit. Et quand on lit ce texte, on voit que il y a certains commentateurs qui ont pris le côté de Paul, de Saul, pardon, et qui ont dit que Samuel était sans doute jaloux de Saul, et c'est pour ça qu'il essayait de manipuler les circonstances pour rabaisser Saul. Mais là, c'est vraiment très loin du texte biblique. Saul. Pourtant, c'est vraiment loin de la réalité du texte biblique. Parce que Samuel était un avec Dieu. Regardez ce que ça dit au chapitre 15, verset 11. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Donc Samuel était très proche de Dieu, donc on ne peut pas dire qu'il a manipulé Saul dans cette situation. Mais Samuel était vraiment un avec Dieu. Quand Saul a réalisé que Samuel et Dieu étaient contre lui, il a commencé à changer son argumentation et à jouer la victime religieuse. Regardez ce qu'il dit au verset 24. J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Il avait l'air tellement convaincant, n'est-ce pas? La raison de sa repentance apparente,
nous est donné au verset 30. Au verset 30, il dit, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. C'est ce que Saul dit à Samuel. Son vrai problème, c'était pas de penser à quoi pensait Dieu vis-à-vis de lui. Non, ce qui l'intéressait, c'était quelle est ma réputation au milieu du peuple. Donc c'est pas vraiment qu'est-ce que Dieu va penser de moi, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi qui le perturbait. Donc il n'est pas préoccupé par ce que Dieu pourrait penser de lui et de ses actions. Et c'est à ce moment-là que Samuel va partir, parce qu'il n'y a plus rien à dire. Au verset 31, ça dit que Samuel, il a tourné le dos et est parti. Et tourner son dos, en hébreu, c'est tchouf, T-S-H-O-U-V, et ça veut dire faire un virage à 180 degrés et ne jamais revenir sur ses pas. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs au verset 35, ça dit, après, Samuel n'alla plus voir Saul jusqu'au jour de sa mort. Saul a essayé d'aller voir Samuel, mais Samuel n'a pas voulu voir Saul. Et ça, c'était déjà la fin de la dynastie de Saul. Et pourtant, ce n'est pas la fin des récits le concernant. Nous n'avons pas fini encore d'entendre parler de lui. Saul me rappelle un enfant intelligent qui ramène ses notes, son bulletin de notes à ses parents à la fin de la session. Et son père lui dit, « Ben, t'as pas réussi en maths. » Et l'enfant lui dit, « C'est vrai, mais ma note est la plus forte de ceux qui ont échoué. » Vous savez, il y a une grande différence entre les raisons qui sont bonnes et les raisons qui ont l'air d'être bonnes. Il y a 99% des échecs viennent des gens qui ont l'habitude de faire des excuses. Regardez comment le récit va se terminer au verset 31. Ça dit, et Saul se prosterna devant l'Éternel. Et après ça, Samuel et Dieu, après qu'ils lui aient tourné le dos, on voit que Saul va adorer l'Éternel. Mais quel Dieu il va adorer? Comment il se pouvait adorer le Seigneur si le Seigneur lui avait tourné le dos? Il semble que Saul, il croyait tellement fort à sa propre confession qu'il s'est menti quasiment à lui-même. Il s'est noyé dans son propre raisonnement parce que le Seigneur était vraiment pas celui qu'il était en train d'adorer. Et c'est triste de voir que Saul et bien d'autres croyants, ils ne croient pas dans le Dieu des Écritures, ils croient dans le Dieu dont ils se sont fait une image. Et donc. Mais tout ça, ce n'est pas des choses nouvelles, n'est-ce pas? On a vu d'autres personnes qui ont dit j'ai péché, mais en fait, il n'y a pas eu de repentance. Est-ce que vous vous rappelez de qui? Donc, il y a Saul, ensuite, et tous ses cousins. Il y a aussi Pharaon, dans Exode chapitre 9, verset 27. Il avait appelé Moïse et Aaron et il leur a dit, cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste et moi, mon peuple, nous sommes les coupables. Mais ne le croyez pas. Et d'ailleurs, Moïse ne l'a pas cru. Il a accepté d'arrêter la plaie, mais en même temps, il lui a dit, mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Donc il a vu que ce n'était pas une repentance, une vraie repentance. Et puis après ça, évidemment, le pharaon a recommencé à faire tomber des calamités sur le peuple hébreu. Ensuite, on a Balaam dans le Nombre, chapitre 22, verset 34, dont le cas est encore pire, parce qu'il il se confesse directement à Dieu, il dit « j'ai péché », mais juste après, il invente un nouveau complot pour corrompre le peuple choisi. Et ça, c'est pour ça que Jésus appelle ça la doctrine de Balaam. Ensuite, il y a Achan, A-C-H-A-N. Dans Josué chapitre 7 verset 20 qui a été pris dans du péché de l'idolâtrie et Josué il dit en fait j'ai vraiment péché contre le Seigneur Dieu d'Israël mais personne l'a cru et ils l'ont lapidé. Ensuite rappelez-vous de Judas Iscariote dans Matthieu chapitre 27 verset 3 qui a dit j'ai péché mais les regrets c'est pas ça la repentance. Et ensuite, on a chapitre 1 du livre des Actes, verset 25, qui dit qu'il est tombé, mais il se peut qu'il soit allé en son lieu. Donc Judas a abandonné pour aller en son lieu. C'est pas ça. La repentance, c'est un changement de style de vie.
et un retour vers le Créateur. C'est ça la vraie repentance. Et dans la même ligne d'idée, laissez-moi vous poser une question. Quand on compare ce que Saul a fait et ce que David a fait, vous n'avez pas l'impression que Saul il a payé plus cher pour son péché que David ? Parce que les péchés de David étaient en fait bien plus grands que ceux de Saul. Mais pourtant, David, il n'a pas perdu son titre de roi. Comment ça se fait ? David, il a commis l'adultère, il a fait un meurtre, et ça, ça a affecté toute sa famille et même tout Israël. Saul, il a péché d'une façon beaucoup moins intense. Donc pourquoi ? Comment ça se fait qu'il y a une différence dans le jugement, on pourrait dire ? La différence est toute simple. Ce n'est pas la même confession. David faisait une vraie repentance, ce qui n'est pas le cas de Saul. Ce n'est pas la taille du péché qui compte, mais la profondeur de la repentance qui compte. Au chapitre 12, on a vu que ce n'est pas le péché. Il n'y a aucun péché que la vraie repentance ne peut dissoudre. Et Saul n'a pas reconnu ses péchés. Il a essayé de les rationaliser. Cependant, David, lui, il a profondément regretté, il a profondément confessé ses péchés. Et après avoir fait cet adultère, il a écrit dans le psaume 51 un grand chapitre sur le péché et la repentance. Et c'est là où on trouve que l'élément qui précède l'authentique repentance, c'est la connaissance du péché de telle façon que le poids du péché ne va pas permettre à l'âme de celui qui a péché de fonctionner tant qu'il ne s'est pas délivré de ce péché auprès de Dieu. Regardez ce que ça dit le psaume 51 verset 3. Ça dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Donc David, il a réagi face à ces péchés-là. Il ne les a pas rationalisés comme Saul l'a fait. Il n'a pas essayé de les transformer. Il a demandé à Dieu de le pardonner selon la grande compassion. Il lui a demandé d'effacer sa transgression, car le péché était trop lourd pour lui à transporter. Et puis il y a aussi le psaume 32 qui était un psaume de confession. Regardez ce que dit David à propos de la grande charge de péché qu'il avait. Il dit « Tant que je me suis tue, mes os se consumaient et je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » C'est comme ça qu'un cœur repentissant se sent quand il a du péché. C'est tellement lourd qu'il est obligé de se tourner vers Dieu pour que Dieu lui enlève ce poids et qu'il le bénisse et qu'il lui pardonne. Après cette confession, David a dit, et de façon d'ailleurs très soudaine, il a dit « Oh, tu es mon endroit où je peux me cacher, tu vas me préserver du trouble, tu vas m'entourer avec des chants de délivrance. » Sa détresse a été transformé en joie parce qu'il avait confessé ses péchés. Et c'est ça qui se passe lors d'une vraie confession. Il y a un commentaire d'ailleurs dans la Mishnah qui dit que le péché de David avec Bathsheba est arrivé afin qu'il y ait un exemple de la puissance de la repentance. C'est pas mal. Et aussi Jean, l'évangéliste Jean, a résumé la puissance de la repentance dans sa première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et il fait ça d'une façon merveilleuse. C'est comme ça que le croyant atteint la liberté spirituelle. En ce qui concerne David, la repentance était une force purificatrice. En ce qui concerne Saul, la repentance n'impliquait aucun changement. Un peu comme un bateau qui est en train de s'enfoncer dans l'eau et qu'on est en train de pomper l'eau, mais sans penser à boucher la fuite. Et la repentance, ça a une grande place dans l'histoire du salut. C'est un peu la clé au salut, parce qu'avant le baptême en Jésus, Jean le Baptiste, il avait fait le baptême de repentance. Et c'est un peu celui-là qui précède celui qu'on fait aujourd'hui. Paul, il le dit aussi dans Romains chapitre 10, verset 9, il dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est la première chose. Parlez à Dieu. Confessez vos péchés. Et au niveau de la pratique, c'est pas le pardon, ce n'est pas une œuvre de l'homme, c'est une œuvre de Dieu. Ça se passe c'est l'œuvre de Dieu dans le cœur du croyant. Et la repentance, c'est vraiment Dieu qui l'opère à l'intérieur du cœur de l'homme. Donc la confession commence en se tournant vers Dieu
et puis il va vous répondre. Et vous savez, la repentance, c'est vraiment, ça nous libère d'un poids énorme. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les années 70, ils avaient une publicité et qui disait, comment est-ce que vous déplayez le mot soulagement? Et puis il y avait une chanson qui venait, puis ça disait que ça s'appelle R-O-L-A-I-D-S, c'était un anti-acide pour l'estomac qui offrait donc un soulagement. Et puis on pourrait dire la même chose, c'est devenu évidemment une phrase très connue, on pourrait poser la même question aux Écritures. On pourrait dire, comment vous appelez la repentance? R-E-P-E-N-T-N-C-E. Il y a beaucoup de slogans publicitaires qu'on pourrait appliquer à la Bible, par exemple. Il y en avait un autre, c'était « Essayez-le et vous allez l'aimer ». Et on pourrait aussi dire avec la Bible « Essayez-le et vous allez l'aimer ». Il y a aussi, vous savez, la publicité de l'American Express, la carte, et ça dit « Ne partez pas de chez vous sans elle. Une fois que vous allez l'essayer, vous allez l'aimer, vous n'allez jamais partir sans elle ». On pourrait dire ça aussi. Ne partez pas chez vous sans votre Bible. Une fois que vous l'aurez essayé, vous l'aimerez, et vous ne partirez jamais de la maison sans votre Bible. Non, vous savez que le titre de l'étude qu'on fait en ce moment, c'est « Le roi insubordonné ». Peut-être que vous avez trouvé une contradiction entre ces termes-là. Comment est-ce qu'on peut être insubordonné quand on est roi? Quand on est tout en haut de la pyramide, on n'a pas besoin d'être subordonné à qui que ce soit. Mais cependant, au-dessus d'un roi, il y a quand même Dieu. Et donc, et ce qui est arrivé avec ça, c'est qu'il est devenu son propre roi, et non plus un roi sous l'autorité de Dieu. On a vu que Saul n'a pas complètement accompli le commandement de Dieu. Il a fait peut-être 95% de ce commandement, mais pas complètement. Et quel était le commandement déjà? Au verset 3, ça avait dit, regardez, il y a quand même quelque chose d'assez perturbateur dans ce verset, dans cet ordre. Vous voyez ce que ça dit, verset 3, chapitre 15, 1 Samuel. Ça dit, va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette heure de tuer les enfants et les nourrissons? Quand on lit ce verset, tout seul, isolé des autres, du contexte biblique et de l'histoire d'Israël en général, on peut avoir un sentiment d'inconfort. Parce qu'avant d'accuser Dieu, évidemment, rappelons-nous que l'homme a répété ce genre d'acte plusieurs fois dans l'histoire. Les nazis, ils ont bombardé Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont tué des enfants et des nourrissons. Et les Britanniques, quand ils ont bombardé Berlin aussi, ils ont tué des enfants et des nourrissons. Ça, c'est deux exemples parmi tellement d'autres exemples. Comment est-ce que l'homme peut faire ça? En ce qui concerne Dieu, il n'y a pas d'obscurité en lui. Et il ne prend aucun plaisir dans la mort de qui que ce soit. C'est ce qu'on voit dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, qui dit « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Et ça dit que est-ce que c'est à ce moment-là, alors que, parce qu'il n'y a pas d'obscurité en lui, il a été obligé de prononcer un ordre aussi difficile? Est-ce qu'on peut dire que s'il a ordonné l'extermination de ce peuple, c'est peut-être pour nous rappeler qu'avec le temps, le péché s'accumule à un point tel que Dieu est obligé de raser ce peuple-là? Et donc, ça vient nous dire qu'à la fin des temps aussi, c'est quelque chose qui va arriver, que le péché va être éradiqué d'une façon très brutale. La réponse pourrait très bien se trouver dans la nature de Dieu. Il est parfait et ne peut pas laisser le péché continuer sans être impuni. Pourquoi les Amalékites avaient le droit à un jugement pareil et pas les autres peuples de la terre de Canaan? Saul avait demandé aux Kenites, au peuple, de quitter les lieux et ils avaient obéi. Quelle est la différence entre les Kenites et les Amalékites? Mais les Amalékites, ils sont absolument incorrigibles. C'est les plus dépravés, les plus délinquants, si vous voulez, parmi ces nations-là. Un juge juste ne pourrait pas tolérer leur présence, alors que Dieu, lui, il a toléré leur présence déjà assez longtemps. Dans l'histoire, ils étaient les premiers à attaquer Israël pour aucune raison. Et ils ont attaqué en plein milieu de leur chemin quand ils étaient partis d'Égypte et qu'ils se dirigeaient vers le mont Sinaï. Ils n'ont pas attaqué au moment où ils allaient arriver à la terre promise. Ce n'était pas l'histoire de défendre leur terre à eux. C'était tout simplement une action motivée par la méchanceté et par la haine. C'était en fait une haine spirituelle, on pourrait dire. Si vous voyez
même que Dieu a demandé que leur mémoire soit complètement enlevée d'Israël. Si vous prenez Deutéronome chapitre 25 verset 17 à 18, voici ce que ça dit. Ça dit: souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment elle te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Donc Amalek, lui, son problème, c'est qu'il n'avait pas de crainte de Dieu. Et donc, ils habitaient dans les vallées, dans les montagnes, et ils ont attaqué Israël avec les gens de Ammon. On voit ça aussi dans Juges 5-6. Ils les ont attaqués avec les Médianites. Et puis dans le chapitre Juges, chapitre 10, verset 12, ils ont attaqué Israël avec les Sidoniens. Ils étaient toujours là à donner le signal pour attaquer Israël. Et leur roi, Agag, en acadien, ça veut dire celui qui est furieux et en colère. Il est, on pourrait dire, il fait partie de ces diables qu'on voit dans la Bible qui font seulement 30 pouces de long, mais dont la morsure est plus puissante que celle de n'importe quel mammifère. C'est intéressant de voir pourquoi son nom est mentionné trois fois dans la Bible, dans trois périodes différentes de l'histoire d'Israël. Lorsque Moïse, au début des 490 ans, le nom de ce roi était Agag. Donc c'était le roi des Amalékites à l'époque de Moïse. Avec Samuel, au début de la seconde période de 490 ans, donc Saul l'a laissé vivant et Samuel lui-même l'a tué. Ensuite avec Esther, au début de cette troisième période de 490 ans, Haman, qui voulait supprimer les Juifs, était un Agagite, c'est-à-dire un descendant de Agag. Et trois fois son nom a été mentionné et dans trois périodes de l'histoire d'Israël tout à fait cruciales. Et on voit que l'esprit d'Agag est encore présent aujourd'hui, notamment dans cette résurgence d'antisémitisme. Et d'ailleurs, il fait partie de toute la liste de ceux qui ont attaqué Israël. Il est tout en haut de la liste. La raison, c'est pourquoi on a tellement d'informations sur Agag. D'ailleurs, il y a des commentateurs rabbiniques qui ont dit que le nom d'Agag est un personnage légendaire. Et ils ont changé son nom dans la Septuante. Ils l'ont appelé Agag, ils ont dit Gog. Dans Ézéchiel 38, on trouve cet individu, le prince de Roche. Et donc, c'était sa première tâche à faire à Saul. Il devait raser les Amalékites. C'était prophétique par rapport à la venue du Messie. Parce que lui, ce sera le vrai roi qui va éradiquer tout le péché. Saul, en tant qu'homme, il ne pouvait pas y arriver. David et Salomon non plus. Et ça nous dit que seulement Jésus peut faire ça. Parce qu'il était là tout le temps. Et il y a quelque chose d'ailleurs que Baal a prophétisé également dans Nombre 27. Dans Nombre 27, ça dit que le cet Agag, c'est un peu un type spirituel de la haine envers les Juifs. Il y en a qui ont accusé la Bible d'avoir rasé d'élimination ethnique, mais c'est pas vraiment le cas ici, parce que quand en fait Dieu il fait pas des distinctions entre les ethnies, il fait des distinctions au niveau de la quantité de péchés. Évidemment, ça n'explique pas pourquoi il y a eu cette ordre qui a été donnée, pourquoi il a fallu tuer les enfants aussi. Moi, je pense que les enfants vont au ciel, mais ça, c'est ma croyance personnelle. C'est comme ça que je vois les choses. Et moi, je suis persuadée que tous les enfants vont au ciel. Et je ne vais pas laisser mon ignorance me perturber, parce que je fais confiance à Dieu. Et on pourrait dire avec Abraham, avant de se disputer avec Dieu, est-ce qu'il a dit, est-ce que le créateur de la terre ne ferait pas la bonne chose? Oui, il fera la bonne chose. Et il est celui qui est juge, un bon juge. Et quand on lit ça, on sait que Dieu, ce qu'il dit, c'est qu'il va le faire. Quand il parle de jugement, il le fait. Quand il parle de l'enfer, ça existe. Quatre fois dans la Bible, trois fois dans la Bible, et deux fois par Paul, il dit que Dieu est un feu brûlant. Parce qu'il est bon, il est juste, il est patient. Rappelons-nous qu'il ne va pas tolérer le péché
éternellement. Donc tournons-nous loin du péché. Maintenant, c'est quand on arrive à la meilleure partie de notre histoire, lorsque c'est, on va voir le verset 22, voici ce que ça dit. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et bien, vous voyez, ça, c'est le cœur de la vraie religion. C'est le cœur le cœur de l'amour de Dieu. C'est vraiment le plus important de tout ce qu'on pourrait trouver. Il n'y a rien de mieux. Et c'est vraiment ce qui va distinguer les enfants de Dieu des autres. Il n'y a rien de mieux que d'obéir à Dieu et de faire attention à ce qui est écrit dans la parole. Il n'y a aucun sacrifice, aucune action personnelle, aucun argent. Il n'y a rien qui peut remplacer une oreille qui sait écouter et un cœur qui sait obéir. Et ça, c'est vraiment le cœur de tout ce qu'on trouve dans les Écritures. Et ça dit qu'on est sauvé par la foi et non pas par les œuvres. Parce que la paix, c'est le reflet d'une vraie croyance. Ce n'est pas par les œuvres qu'on devient sauvé. Par des œuvres de justice, mais c'est d'après sa miséricorde, à travers le renouvellement de l'Esprit, de l'Esprit Saint. Donc la foi amène le cœur de la personne à s'approcher de Dieu. Et si on n'a pas la foi, c'est comme si on construisait une maison sur le sable. Et dans 1 Samuel 15, on a vu que la repentance ouvrait les portes au pardon et au soulagement. Ici, on apprend que écouter Dieu et faire attention à sa parole et écouter sa parole ouvre les portes des bénédictions. Et ces deux mots, obéir et faire attention, sont résumés là pour nous. Obéir, c'est shama en hébreu. Ça veut dire, c'est une œuvre d'écoute et d'accepter ce que dit la voix de Dieu, qui est sa parole. Le deuxième mot, donc, prêter attention à sa parole, kassab en hébreu, c'est un synonyme plus fort, ça veut dire écouter avec beaucoup d'attention, être parfaitement à l'écoute tout le temps des choses de Dieu. Comme si vous transportiez Dieu dans votre cœur tout le temps. Mais il y a une autre chose que j'aime beaucoup dans ce verset, c'est le mot plaisir, hepes, qui veut dire, c'est un sentiment d'extrême satisfaction et d'extrême plaisir. Et c'est ça que Dieu ressent quand il voit qu'un de ses fils et ses filles l'écoute et met sa parole en action, en application. C'est le genre de plaisir que vous donnez à Dieu quand vous écoutez sa parole et vous l'appliquez. C'est la première fois que c'est mentionné dans les Écritures hébraïques, comme si c'était réservé juste pour l'occasion. Et c'est ça qui nous amène la joie et le plaisir, qui amène la joie et le plaisir au Seigneur. On apprend d'autres endroits dans les Écritures que la prière amène du repos à Dieu. Comme l'encens qui symbolise la prière est une odeur agréable pour lui. Ici, on apprend qu'un cœur obéissant lui apporte la joie et le plaisir. Alors si nous voulons faire plaisir à Dieu, écoutons sa parole et mettons sa parole en action. Et d'ailleurs, Yeshua, lui, Jésus, a aussi cité ce verset deux fois dans l'évangile de Matthieu. Dans Matthieu 9, verset 13, c'est lorsque Matthieu avait fait une grande fête et qu'il avait donc, après qu'il avait rencontré Jésus, afin de l'introduire à un certain nombre de ses amis. Et ses amis, il y avait des collecteurs d'impôts, il y avait des gens comme lui. Et à ce moment-là, les pharisiens sont adressés à Jésus et lui ont dit « Pourquoi est-ce qu'il mange avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs ?» Et il a répondu « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Il dit « Si vous pensez que vous êtes juste, eh bien, je ne suis pas venu pour des justes, je suis venu pour des pécheurs. » C'est pour ça que Jésus a mangé avec ces gens-là. D'ailleurs, personne n'est juste dans les Écritures, vous savez. Que ça dit dans... Dieu dit, il n'y a personne qui est juste. Le deuxième exemple, c'est dans Matthieu 12, verset 7. Ça dit, « Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » Ça, c'était une phrase adressée aux pharisiens pour la deuxième fois. Ils avaient accusé les disciples
de prendre du grain le jour, et de les manger le jour du Shabbat. Et ça, ils ont fait tout, ils ont fait. Et ça, c'est vraiment là. Le reste, si on regarde l'autre verset, donc verset 23 de Samuel, 1 Samuel 15, qui parle de la rébellion. Regardez ce que ça dit. Ça dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc, imaginez, la rébellion. En hébreu, c'est méri. Et ça, ça décrit quelqu'un qui refuse d'accepter l'autorité de qui que ce soit. Comme ça, elle n'a pas fait attention à la parole de Dieu, et pourtant Samuel l'avait rappelé à l'ordre. Ensuite, on parle de divination. C'est traduit aussi par sorcellerie. Mais quel genre de sorcellerie a à voir avec le péché du sol ? Et c'est passé relié aux Amalekites, qui n'avaient pas complètement détruit, parce que la sorcellerie est décrite comme une communication avec le malin ou avec les démons ou avec des esprits démoniaques. Et c'est exactement ça. Quand nous ne sommes pas avec Dieu, nous nous trouvons de l'autre côté. Et la subordination en hébreu, c'est pesar, P-E-Z-A-R, ça traduit aussi par entêtement. C'est quelqu'un qui est plus gérable. Ensuite, il y a l'iniquité, Awen, A-W-E-N, c'est la tromperie, le mal, l'injustice, le péché et le vide. L'idolâtrie, c'est Téréphim, les images, les idoles. C'est comme ça que les Écritures décrivent les actions de Saul et de ceux qui ne suivent pas la parole de Dieu. Un dernier point, on pourrait se poser la question, est-ce que Dieu va changer d'avis ? Il y en a qui ont vu une certaine contradiction dans ce chapitre, parce que dans ce premier, dans 1 Samuel 15, 11 et puis 1 Samuel 15, 35, on lit que le Seigneur a regretté d'avoir couronné Saul comme roi. Au verset 29, Samuel il dit « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Le mot « changer » est mentionné deux fois ici. C'est le même mot que « regretter » ici au verset 11 et 35. C'est le mot Naham, N-A-C-H-A-M en hébreu. Donc il y en a qui ont voulu changer le texte et qui ont changé au verset 29. Regardez ce que ça dit au verset 29. Dieu n'est pas un homme qui pourrait justement comme un homme changer d'opinion ou changer autant de fois qu'il change de chemise. Non, on n'a pas... Dieu est en connaissance de tout. Cependant, ce verset nous indique que à quel point Dieu nous aime et à quel point on est important pour lui, puisqu'il nous a donné son Fils. D'abord, il a choisi de croire ça parce qu'il donne tout, il donne le bénéfice du doute à quiconque commence une tâche. C'est écrit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour croit tout. Et Dieu est amour. Donc, il a mis de côté un peu son omniscience en couronnant Saul roi. Et pour lui donner le bénéfice du doute, pour lui donner la possibilité de bien agir et de bien se comporter. Mais quand cette personne-là arrive à un point de péché insupportable pour Dieu, et c'est la même chose avec Judas, Iscariote, les Amalekites, et bien là, le jugement tombe. Il y a une autre dimension, parce que le mot pour changer, Naham en hébreu, vous savez ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire le confort. Vous savez, Nahum, Noah, tout ça, ça veut dire confort, agréable. Donc ici, en fait, on voit que Dieu, qu'est-ce qu'il recherche dans l'homme ? Il recherche une relation, un partenaire qui va lui donner ce confort. On ne peut pas penser à Dieu avec nos pensées humaines. Il est bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer de lui. Et c'est une chose qui peut être résumée dans la Bible, c'est qu'il est l'amour. J'aimerais vous dire que ce verset 29 ici possède un titre exclusif de Dieu. Ça dit que Dieu est la gloire d'Israël et la force d'Israël. Et ça, le mot Nessah, N-E-S-A-H, ça parle de la victoire perpétuelle qu'on a ou de la fidélité éternelle qui décrit la nature de notre Dieu. Et ça se trouve notamment dans ce verset 29. Aujourd'hui, ce qu'on a appris, c'est qu'une obéissance partielle ne suffit pas pour Dieu. Saul avait fait 90 ou 95% de ce qui lui avait été demandé par Dieu, mais Dieu avait demandé plus que ça. Il veut le cœur au complet. C'est comme des parents qui envoient un enfant faire sa chambre, nettoyer sa chambre, et deux minutes après, l'enfant descend et dit que tout est fait. Quand le parent va vérifier, il trouve que la chambre est propre,
jusqu'à ce qu'ils ouvrent le placard et là, il y a une avalanche de jouets et de choses qui tombent. Alors, Dieu, ce qu'il demande, il nous demande vraiment d'obéir au complet. Et ce qui est très important, c'est on a vu à quel point Dieu se réjouit lorsqu'un de ses enfants l'écoute et met en pratique sa parole. Et on a l'impression que c'est sa joie la plus grande. Alors, prions ensemble. Abba, notre Père, tu es notre alpha et notre oméga, tu es notre début et la fin, tu es le créateur et le conseiller, tu nous guides chaque jour pour prendre des bonnes décisions, tu es notre réconfort dans la peine, dans le chagrin, dans la détresse. Et on te loue de nous attirer vers toi lorsque, afin que nous puissions nous rapprocher de toi. Tu es notre Père céleste, notre Père pour ceux qui n'ont pas de Père. Tu es si grand, tu es tellement fidèle jour et nuit. Tu es saint et tu as fait pour nous un chemin tout tracé pour qu'on puisse s'approcher de toi. Je te loue d'être celui qui m'aide. Et je te loue pour le roi Kodesh, l'Esprit Saint et tout ce qui nous permet de faire et de protéger dans nos vies. Je te donne tout notre cœur. Tu es notre Messie et tu es notre roi qui va bientôt revenir. Tu es omniscient, tu connais tout, tu es omniprésent, tu es là partout. Tu es notre paix, tu es notre protecteur, notre grand prêtre qui est devenu notre sauveur et notre sacrifice éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur vous, qu'il fasse preuve de grâce envers vous et qu'il vous donne la paix. Que le Seigneur vous bénisse.